Pour 2023, nous allons commercialiser trois modèles, l'Opel Astra, l'Opel Mokka et l'Opel Grandland. Comme vous venez de le voir, l'Opel Astra, c'est plus de 30 ans de succès. C'est l'incarnation même du savoir-faire allemand. Et couronnée de plusieurs trophées. Voyons voir ce qu'elle a de si particulier. Un design allemand ultra pur et audacieux. Ultra connecté, elle est dotée d'une technologie qui protège. Sans oublier, bien sûr, un confort premium au quotidien. Concernant la motorisation, elle sera dotée du moteur 1.2 essence, développant 130 chevaux, couplé d'une boîte à vitesse à 8 rapports automatique. L'Opel Astra sera décliné en deux versions. Une première version élégance, déjà très bien équipée, et une deuxième version GS Line. Passons maintenant au plus rebelle de la gamme. L'Opel Mokka, l'un des modèles les plus récents, est lui aussi titré du volant d'or en 2021. Le véhicule boosté avec attitude, audacieux, qui bouscule les codes. L'Opel Mokka ose la différence, avec son design et son allure. Un intérieur ultra connecté pour améliorer la sécurité et le confort. L'Opel Mokka lui aussi sera doté du moteur essence 1.2, à injection directe, développant 130 chevaux et couplé d'une boîte automatique à 8 rapports. Comme l'Opel Astra, le Mokka sera commercialisé en deux versions, l'élégance et la GS Line. Le dernier, mais pas le moindre, l'Opel Grandland. Le nouveau Grandland respire la puissance, tout en étant raffiné et élégant. Toujours avec l'Opel Visor et un nouveau design audacieux et pur. Le Grandland regorge d'équipements intelligents conçus pour faciliter la conduite et assurer les passagers. Le trajet vers l'école, le trajet quotidien, les embouteillages, les vacances en voiture, le Grandland veille au confort à tout moment. Il sera proposé en finition GS Line pour le moment. Ah.